Course et Régate. Course et Régate, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Course et Régate est parrainée par MG Digital Technology, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. La situation s'anime dans le 9e Vendée Globe. Cette nuit, Charlie Dalin, avec 220 000 nautiques d'avance sur Thomas Ruyant, est enfin rentré dans les 40e rugissant et il fait désormais route vers les Kerguelen. Derrière lui, Thomas Ruyant a pris du retard pour couper 2 mètres de son foil bâbord, opération aussi délicate qu'indispensable. Toujours 3e, l'inoxydable Jean Lecam assure sa 3e position à bord de son Imoca classique de 2007. Un exploit. Le grand favori de la course, le Gallois Alex Thompson, à bord du Gobos, a pour sa part quitté le top 10 de la course. Derrière le trio de tête, la bataille est intense et fait rage pour les 4e, 5e et 6e places entre Yannick Bestaven sur Maître Coq, Kevin Escoffier, PRB, Boris Herman, Sea Explorer Yacht Club de Monaco, qui se tiennent dans un mouchoir de poche. En attendant, je vous propose d'écouter ce matin la vacation de Thomas Ruyant sur sa séquence chirurgicale d'hier qu'il a vu couper une grande partie de son foil bâbord. La journée d'hier, oui, elle a été bien animée, ça c'est sûr, malgré le peu de vent. Mais bon, ce qui est bien déjà, c'est que j'ai retrouvé du vent. Je commence à ressortir du centre de l'anticyclone et voilà, direction du vent un peu plus soutenu dans le sud. Voilà, pour débouler dans l'Indien bientôt, j'espère. Pas mal de petites choses à gérer avant d'arriver justement dans le sud, et du coup là je suis bien content parce que tout est réglé à bord, tout est clean. J'ai dû remonter dans mon mât hier matin pour finir mes petits problèmes en tête de mât. Je me suis occupé de mon foil bâbord. J'ai dû couper une partie pour limiter la puissance et éviter un problème voilà, sur la suite du parcours. L'idée c'est bon, le foil est bien fragilisé suite à voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas le foil est bien fissuré au niveau du coude, et donc on a pris la décision de couper une partie du tip pour enlever de la puissance. Et du coup bon, là mon foil il est rentré sans rake, voilà, donc en fait il sert plus à grand chose. Il y a un morceau qui est là, un bout de coude qui sort de la coque, mais c'est tout, donc j'ai plus de problème. J'ai un petit morceau en moins, mais écoute, c'est comme ça, c'est demandé. Ça va pas m'empêcher d'essayer d'aller vite et puis de faire ma course. C'était pas une opération facile, une bonne mission quand même. Bah, j'ai profité du peu de vent que j'avais là hier pour m'occuper de ça. Il fallait que je me suspende au-dessus du foil et voilà. Et puis j'utilise, on avait ce qu'il faut à bord pour ce genre de choses. Voilà, donc c'est une partie du tip, à peu près 2 mètres du tip là, que j'ai retiré. Voilà, le gros risque en fait, c'est que le foil finisse de se casser et vienne endommager l'outrigger, ce qui peut entraîner un dématage, ou vienne abîmer la coque, ou abîme le puits de foil, et dans ce cas-là, ça peut entraîner une voie d'eau. Donc finalement, de laisser le foil comme il était là, même en rentrée, il y avait trop de risques pour l'intégrité du bateau de le laisser. Tristan Dacuna, ouais. Ouais, c'est à 100 000 du bateau là, à peu près. Non, je verrai pas la terre. Là, je viens de Jaibé. Je suis en train de faire le tour de l'anticyclone et de prendre la bascule dans le bon sens. Mais maintenant, je fais les caps au sud pour trouver la pression. Et voilà. Donc, non, là, je viens juste d'empanner. Donc, non, je les verrai pas, malheureusement. Voilà. Mais on passe pas loin. Ouais. Bon, il y a d'autres îles sur le chemin. Peut-être qu'on en verra quelques-unes quand même. C'était la dernière pétole là. Enfin, c'est vrai que depuis 3 jours là, on est quand même bien servi en situation météo complexe avec ce front qui scindait l'anticyclone en deux. Voilà, mais là c'est la fin. Là depuis le début de nuit, j'ai retrouvé un tout petit peu de vent et voilà, tout doucement, on sent que là, toi, j'ai 10 nœuds de vent. Donc déjà c'est bien, ça avance parce que j'ai passé une journée à pas avancer beaucoup. Ça m'a bien servi pour gérer mes petites bricoles, mais là maintenant, voilà, place à la course et je suis content de retrouver un peu du vent et un bateau prêt, voilà, même si il manque un petit bout, quoi. Je commence à retrouver de l'air là, c'est cool. Ça redémarre, mais bon, je suis à l'intérieur de la courbure de l'anticyclone et là pour l'instant j'ai moins de pression qu'eux, je pense, mais dans la journée de demain là, ça va commencer à bien accélérer et puis
je fais ma route, mon chemin, en gérant mes soucis. Et voilà, Charlie, je pense qu'il s'est un peu barré. Il est possible que ça fasse un peu élastique par devant. Voilà, donc écoute, je suis content déjà de, avec les problèmes que j'ai eu de garder la seconde place. Et puis, je vais me battre parce que bah, la course, elle n'est pas finie. Et même si je suis un peu. J'ai un bord où j'irai forcément un peu moins vite. Voilà, c'est pas très grave, ça continue. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.